Ami de la poésie, bonjour. Je vais d'abord voir un petit peu où se trouve ma tête avant de parler. Donc, Vidal est là, ma tête est là, ma tête est là, ma tête est mise à prix. 2,50 €, qui n'en veut, l'île du ver classique. Pour y revenir, c'est le site où tout se passe désormais, hein, où tous les regards convergent dans l'expectative de voir des sonnets apparaître petit à petit comme l'oiseau fait son nid. Alors aujourd'hui est un grand jour car je vais regarder avec vous, hein, c'est une vidéo qu'on appelle vidéo reaction vidéo. Reaction vidéo en anglais, hein, je vais vous montrer hein, comment je réagis donc. Aux statistiques de mes vidéos, je vais me précipiter sur ma page YouTube pour voir les statistiques de mes 4 ou 5 vidéos mises en ligne tout récemment, hein, ce week-end, pour dire les choses exactement, exactement, exactement. Petit à petit, je fais son nid, hein, petit à petit aussi, j'espère vous gagner, me gagner, ou j'espère vous gagner ou non, me gagner. Je dis bien me gagner des auditeurs. Alors là, bien sûr, je suis dérangé, je ne sais par qui, par mon fils. Oui, Antoche. Sotsotero. Tu veux me montrer ton visage à la caméra? Gayestata. Atou yestantoche. Tesh yestu antoche. Tu Je sais que t'es gentil, tu veux participer à la mobilisation des troupes autour de la poésie classique. Hein. C'est pas gagné d'avance. Hein. Ok, Antoche. Alors, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que papa y fait maintenant? Les amis Gadjui, Antoche? Jinkoye Barzo, Barzo Jinkoye, Jinkoye Proche, Proche Jinkoye. Voyez, je prouve ma maîtrise du polonais, hein, sur le bout des doigts. Bardzo proszę, proszę, bardzo, bardzo proszę, s'il vous plaît. Hein. Alors, en polonais, ils disent s'il vous plaît beaucoup. Donc, c'est une façon, une figure d'insistance, hein, le bardzo qui veut dire beaucoup, hein, sur le proszę qui veut dire s'il vous plaît. Alors, mes statistiques, on va regarder mes statistiques ensemble. Hein, vous allez voir comment quelle tête je tire hein, à la vue de mes statistiques. Hein. Qui vont être faramineuses, je le vois ici. Hein la poésie étant si populaire, et la poésie classique en particulier, l'étant bien davantage encore, je ne saurais trop je ne saurais trop comment dire, je ne sais même pas ce que je vais dire en fait, je ne saurais trop imaginer autre chose, on va dire ça comme ça, je ne saurais imaginer autre chose que la joie la plus totale dans mes yeux. Ah, alors, Antoche, toi tu le biche, tu mâches mouille téléphone? Yeah. Alors là, je vais sur ma chaîne, hein, votre chaîne, et là je vois, oh, il y a un abonné qui est parti, ah, ça c'est depuis que j'ai mis la poésie en ligne, j'ai un abonné qui s'est désabonné, la 178 désormais. Non, c'est pas grave, recalquons-nous le moral. On va regarder les vidéos, les dernières mises en ligne. Co ty robisz, Antoś? Słucham. A ty się ekut? Słucham. A słuchasz, ok. Alors voilà, comme vous le découvrez avec moi, sous mes yeux, hein, les statistiques sont en effet faramineuses. La poésie envers et contre tout, la première que j'ai réalisée sur Raoul Ponchon, deux vues à ce jour. La suivante, la poésie envers et contre tout, de la rime vue comme je ne sais plus trop quoi, comme un piège freudien dans le genre. Quatre vues, ça plafonne à quatre. La suivante, la poésie envers et contre tout de fil en aiguille, pêcher l'anguille. Hein, j'ai inventé des titres qui n'ont rien à voir avec le sujet, c'est pas grave. Je cumule deux vues en un jour, hein, deux vues, deux vues, deux vues, là, vous avez vu ça. Ensuite, la poésie envers et contre tout, la Vénus aux grosses fesses, grâce à Rimbaud, je teins une vue. Hein, c'est peut-être la mienne d'ailleurs, c'est peut-être moi qui, je sais pas si comptabilise les vues du créateur de la vidéo. Alors mon fils écoute sagement à côté. Antoche, move papa. Do camera.
Co chcesz robić? Słyszeć? Tak. Alors, je sais jamais si on dit souchat, souchat, souchit. Le polonais est une langue si difficile. La poésie envers et contre tout, sonné off the red sheet. Je croyais gagner des vues avec celui-là, hein, grâce à la musique. Et maintenant, une vue aussi. Je suis désespéré. Ça fait rire, mon fils, évidemment. Je m'y attendais un peu, hein, cela dit. Alors, Anton, je vais faire quoi aujourd'hui? On va regarder, tiens, je vais regarder mes mails, je sais pas, des vidéos de réaction, des vidéos de rédaction, vous voyez, comme l'inconscient parfois, hein, fait dire des choses intéressantes, comme si je devais passer de la réaction à la rédaction, écrire, hein, montrer ce que j'écris, c'était peut-être le but, et ben d'ailleurs, voilà, c'est justement, qu'est-ce que le hasard faisons bien les choses. La mouette, c'est ce que je viens d'écrire, hein, alors ce que je vais faire, je vais vous montrer, hein, comment je vais vous montrer une chose fort peu intéressante, hein, avant de vous lire la chose. CTRL-C. Alors, est-ce que je peux mettre ça sur mon site? Non, il n'est pas ouvert. Il est là. Je crois que je l'ai en favori. Donc, mon site, Antoche, Gayest, oui, History, Bookmarks. Yes, oui. Ça. Ni même tout. Attends. Je sais jamais si c'est sur ce. Ah oui, c'est peut-être qu'il faut que je bascule sur une autre. Ah oui, il faut que je bascule sur le Firefox. Là, je suis sur le Google Chrome. Donc, j'ai pas mis en favori ma page. Hein, mais je sais pas si ça va marcher si on bascule. Alors, je vais me résigner à vous lire, hein, dans son état primal. Posté aujourd'hui sur ma boîte mail, hein, ce poème d'un certain Enrique Alghazir, pour ne pas dire moi-même, hein, la mouette pleureuse. Ok, Tata Bendecitach. Ok. Ok. Allez. Le soleil déclinait dans l'azur de tes yeux. Oh que c'est joli ça. Oh que c'est joli. Mes sens sans fin repus. Je regardais la plage au sable insaisissable. Et face à l'étalage que l'océan faisait de lointains mélodieux, entre la vague et l'or d'un horizon radieux, absorbé par tes mots au savant décalage, je ne me souciais plus, ni du temps, ni de l'âge. Ayant bu tout un jour dans la coupe des dieux, je me trouvais heureux. Du sort hospitalier que je nommais ma vie. En haut de l'espalier que la rose, non, ta rose, que ta rose grimpait, l'espoir nouait des fleurs. Oh, je le refais, c'est trop beau. Je me trouvais heureux du sort hospitalier que je nommais ma vie. En haut de l'espalier que ta rose grimpait. Ah non, je l'ai loupé encore. En haut de l'espalier, c'est l'escalier en fait, et c'est pas grave, c'est l'espalier. En haut de l'espalier que ta rose grimpait, l'espoir nouait des fleurs. Nous sirotions l'instant de minute en minute, jusqu'à ce que, d'un coup, nous vîmes sur la butte une mouette troublée, le calme de ses pleurs. C'est trop triste comme poème. Qu'est-ce que t'en penses, Antoche? Parfois, on s'en mêle les pinceaux, hein, qui riment avec boisseau, qui riment vaguement avec oiseau, qui riment avec... Oiseau, ça rime avec roseau, bien sûr. Hein, c'est très attendu comme rime. Hein. Antoche, c'est tout. Ah oui, d'accord, il se met sur mon ordinateur, évidemment. Hein, il en profite, le petit philo. Qui rime avec loup. Donc ça, c'est ma tête, hein. Je me présente, François Debuich, je prononçais bien, hein, mieux que moi, s'il vous plaît. Donc amateur de sonnet, hein, et de bonnet blanc et de blanc bonnet, ce qui est, oui, même du bon vieux du bonnet, hein. On peut faire rire, on peut faire sourire non plus, c'est pas ça que je voulais dire, on peut faire rimer bonnet avec du bonnet, hein. En France, on trouve encore la trace, hein, sur des murs, des vieux murs de village en général, la publicité en bleu, je crois, la délavée souvent, hein, une publicité concernant les alcools du bonnet.
C'est bon, c'est du bonnet. Donc c'est bon, c'est du sonnet, hein, je ne sais pas, je ne sais pas. Alors je ne sais pas si vous avez pris plaisir à ce petit poème de Derrière les fagots que j'ai composé, hein, la mouette non pas rieuse mais pleureuse. Hein, c'est vrai que ça fait pleurer dans les chaumières. Hein. Non, ça ne vous a pas fait pleurer dans les chaumières, oh, qui rime avec lumière, éventuellement, sur les bords un petit peu comme ça, de derrière les fagots. Et évidemment, entre... ah, je vais peut-être ajouter entre la poire et le fromage pour changer mon répertoire. Qui rime avec histoire. Ça, souvent, je me pose la question, eh, tiens, histoire, on va faire rimer ça avec quoi, histoire? Bah oui. Prémonitoire, écritoire, etc., etc. Attends, toi, t'es robé chez mon computer. Ah. À Scratch, maman, tu poses voler, ou ni poses voler, ou maman? Mmh. Hein, il fait la création, il crée des jeux vidéo avec Scratch, voilà, Scratchouille. Alors, j'en suis à coup, j'en suis où, là, 13 minutes 2, 13 minutes 3. Donc, je me disais dans la voiture, hein, de retour de mon travail, qu'est-ce qui me pousse à faire ces vidéos et quel plaisir en tire, je? Est-ce que j'en tire? En tant que tata un movie, et je suis spirache, tata ni benje swishich. Ok? Et il dit dobra, dobra, ça veut dire, je vous fais un petit cours polonais, dobra, dobra, ça veut dire bien, bien, bien. Il approuve. Qui rime avec réprouve, disapprouve, etc. Alors, oui, je me disais dans la voiture, qu'est-ce qui me pousse à faire ces vidéos et à y prendre un certain plaisir, visiblement. Eh ben, c'est même pas le fait que j'ambitionne d'être écouté, je sais pas pourquoi. Ça devrait être le cas, hein, mais comme on a vu les statistiques, hein, qui ont précédé, qui ont inauguré cette vidéo, hein, je risque pas de toucher les foules avec 4 vues, hein, dans le meilleur des cas. Quoique j'ai eu, comme j'ai dit, une vidéo qui a fait Flores Herpes, Londronesse, oui. Non, c'est pas Londronesse, c'est Londresse, le cigare. Donc je risque pas de déclencher des mouvements de foule avec si peu de vues, hein, mais c'est pas grave. Ça m'amuse de faire des petites vidéos comme ça. Hein, entre la poire et le fromage, pour éviter de dire de derrière les fagots. Alors voilà, je m'amuse moi-même, je les écoute au moins une fois mes vidéos, et puis ça me distrait, hein, qui rime avec concret, c'est du concret ce que je fais. Donc j'ai essayé de promouvoir mon site, qui rime avec l'avoir. Mon site? Non, promouvoir. L'avoir, ça rime avec savoir, qui rime avec avoir, qui rime avec pouvoir. Ça c'est pas mal, c'est pas mal, hein, ça rime aussi avec voir. Hein. Quand on veut faire de la poésie, il faut penser aux rimes. Hein. Il faut penser d'avance, il faut faire ce qu'on appelle des bourrimets. Hein. Vous créez déjà le squelette de votre poème en utilisant... en sélectionnant les rimes que vous voulez utiliser, et après le sens, bon, on s'en fout un peu. Donc ça ne vient qu'après, qui rime avec un après, un lendemain, un après, non, dans le sens de, d'apprêter, il a apprêté, il a pas pété, il a pas dit, non, il a dit qu'il avait apprêté son discours, affûté son discours, et que pour autant, il n'avait pas pété les plombs qui riment avec blond, comme les champs qui sont blonds, hein, et les pecs qui sont longs, il a sorti une connerie qui rime avec... Extra, il me dit extra, mon fils. Connerie, ça rime avec quoi? Avec maçonnerie, j'aime bien ma connerie, maçonnerie, suffit de retirer la saisie, hein, et ça devient drôle. Qui rime avec rôle, comme dans le jeu. De rôle. C'était très drôle. Alors, on va peut-être arrêter les dégâts. 16 minutes bientôt, hein, de délire poétique. Antoche, tout au guest. Ok. Bon. Amis de la poésie, bonsoir.